Bonjour, mon nom est Myriam Véraud, je suis la réalisatrice du film Kwesipan. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du festival MOVE de poursuivre leur édition en ligne, même si la version physique est annulée. Dans un monde sans coronavirus, je serais parmi vous. En Belgique, mais malheureusement, avec ce qui est arrivé, j'étais très déçue, mais en même temps, je suis très heureuse de savoir que mon film pourra être vu quand même par les gens de chez vous. Moi, ici, je suis à Montréal, au Canada, Québec, et ça fait 3 ou 4 semaines là, qu'on est confinés à la maison. J'ai le temps de regarder des films, et j'imagine que vous aussi, donc c'est le fun que vous pouvez passer le temps avec nos films. Et en même temps, ben, ça nous fait du bien de savoir que c'est nos films qui vous divertissent aussi pendant cette période-là. Kwesipan est sorti ici au Québec, au Canada, il y a quelques mois déjà. C'est un film qui a fait le pont entre deux cultures. Moi, je suis une Québécoise francophone blanche. Et j'ai fait un film avec une communauté. La communauté Innu de Ouachat-Mac-Magnotenam, près de Sept-Îles, qui est à environ 10 heures de route de chez moi. Les Innu, c'est un peuple qui a été peu représenté au cinéma, dans le cinéma canadien. Je sais qu'il y a beaucoup de films qui mettent en scène des Inuits, et il ne faut pas les confondre avec les Innu. Et les Innu ont eu moins de films de fiction qui les mettaient en scène. C'est un film que je voulais faire avec les gens de là-bas et non pas sur les gens de là-bas. C'est pas un film ethnographique, c'est un film qui raconte une histoire d'amitié et c'est un film qui aussi raconte les liens entre les gens d'une même famille et d'une même communauté et même si on est loin un de l'autre. Et je pense que ça fait écho un peu à ce qui se passe présentement. C'est pas parce qu'on est éloigné des gens qu'on aime, qu'on les oublie, qu'ils ne nous aident pas à passer à travers nos joies et nos tristesses. Et je sais que présentement, dans le confinement qui est mondial, je sais que les liens qu'on construit avec le temps nous fait passer le temps un petit peu plus parce qu'on espère revoir ces gens-là. Donc, c'est un film qui parle de l'amitié envers et contre tous, malgré l'éloignement. J'espère que vous allez aimer ce film. Je sais qu'il est supposé sortir en salle en Belgique au mois d'août 2020, donc cette année. Espérons que ce sera toujours possible, mais je sais que on se reverra après cette édition de festival. Donc un gros bisou de Montréal et bon cinéma.